Allô? Bon alors attendez, j'ai pas fini de setup, mais tranquille, je vous prends en même temps. Oh. Ah, j'étais en train de me dire, what the fuck, ça marche pas du tout là. Mais en fait, si. Alors. En fait, j'avais dit pas de retard et tout, mais le souci c'est que je me suis mis à écouter l'entièreté des musiques de Project Voltage. Donc, attends. Donc, le souci, c'est que du coup, j'ai du retard. Ah non, mais c'est de l'autre côté. Et j'ai même pas fini de faire ce que je faisais, en fait. Donc, super, quoi. J'ai tout raté, mais tranquille. Bon, mes petits chats, comment ça va? Ah ouais, du coup, je suis transparent. Ah non, pas tant que ça. Ah, si, je suis totalement transparent vu que mon t-shirt il est vert. Mes petits chats, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller écouter évidemment les musiques de Project Voltage, de chantées par Hatsune Miku, écrites par plein 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 de producteurs, etc. C'est iconique, c'est que des bangers. Si vous êtes aficionado de Pokémon, c'est super. Ça rappelle plein de souvenirs, parce qu'il y a plein de petits clins d'œil, on va dire. Et si vous écoutez pas, enfin, si vous êtes pas fan de Pokémon, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne, en fait? Non, c'est pas grave, parce que les musiques, elles sont iconiques, même sans aimer Pokémon, quoi. Donc, je fais une petite story pour Twitch, bien sûr. Ouais, vraiment, foncez, écoutez ça parce que c'est super chouette. Merde, je me suis trompé. Voilà, j'espère que ça va s'importer, puisque d'habitude ça s'importe très mal. Donc voilà. Mais oui, du coup, Project Voltage, je vous le conseille. Je vous conseille d'aller voir les musiques parce qu'elles sont vraiment trop bien. Et même en plus, les clips, il y a des clips qui sont iconiques, genre what the fuck? J'étais là, j'étais en mode, ah ouais, putain, c'est du lourd! Mais du coup voilà, alors je m'excuse pour hier, le stream Fire Emblem c'était censé être hier. Le souci c'est que c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures potes, donc je l'ai appelée à genre 19h et on est resté au téléphone jusqu'à 22h. Donc voilà quoi. Je pensais que ça allait durer 45 minutes, 1 heure, donc à la limite un peu de retard. Au final, ça a duré bien plus longtemps, donc j'ai pas pu streamer. Voilà. Vous m'excuserez, hein, mais les potes avant les putes, comme on dit. Non, plus sérieusement, voilà. J'allais pas lui dire, non, vas-y, je te laisse, je vais streamer. Surtout que j'en avais pas l'envie. Enfin. J'avais envie de streamer, mais j'avais plus envie de discuter avec elle que de streamer. Donc voilà quoi. Et puis de toute façon, vous savez pertinemment que le streaming n'est pas la priorité dans ma vie. Et que voilà, je stream quand j'ai envie. Donc si je fais des choses que j'estime plus intéressantes, je le fais. De toute façon, j'ai pas une commu de zinzin. Donc, si je stream pas un jour, je peux me le permettre aussi, tu vois, il y a ça. Mais voilà, quoi, pour l'info, désolé, si jamais vous attendiez le stream d'hier avec impatience, du coup, il est aujourd'hui. Et le stream d'aujourd'hui sera mardi prochain. Et oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on est vendredi. Qui dit vendredi dit petite bière. J'évite de faire un blasement de produit. Même si ça. Je dupe qui comme ça, genre. Mais oui, qui dit vendredi une petite bière, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas eu de stream à vendredi, genre. Oh, what the fuck, je ne sais même plus quand c'était, mais ça devait être au mois de juillet parce que au mois d'août tous les week-ends j'étais busy. Au mois de septembre c'est pareil. Donc là clairement, ouf,
Du lourd, donc petite binge. Et même, ça faisait archi longtemps que j'avais pas bu de bière un vendredi soir, genre. Pour fêter le week-end. Et ça c'est beau. Oh! C'est beau et c'est bon. Ah, là, je suis un homme comblé. Il en faut peu. Mais ouais, non, grave content. Bah, du coup, on aurait pu avoir trois streams en une semaine, ce qui n'était pas arrivé pareil depuis archi longtemps. Malheureusement, le destin a fait que non. Cependant, je peux vous dire que dans 2 semaines, donc le week-end, enfin la semaine du 30 septembre, alors là, ça va streamer les potes. Mardi soir, jeudi soir, vendredi soir, j'espère aussi samedi soir et dimanche tournoi Mario Kart. Parce qu'en fait, je suis chez moi, je suis enfin chez moi, donc je vais profiter de mon week-end chez moi et je me dis quoi de mieux que de le faire en streamant et en faisant un stream karaoké le samedi soir parce que ça fait une éternité et que j'ai très envie. Donc, voilà. Et ouais, samedi soir, comme ça me laisse samedi toute la journée pour bosser sur le stream, un petit peu paramétrer des trucs à droite, à gauche. C'est pas comme ça. On va faire ça, je pense. Donc, dans 2 semaines, notez-le, dans 2 semaines, ça va streamer. J'espère. Bon, enfin bon, en attendant, dans 2 semaines, c'est dans longtemps. On peut déjà parler du programme de ce soir, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est tout simple, c'est Fire Emblem Engage. On continue. Voilà, on continue le jeu, c'est tout. Il faudrait que j'aille à Action aussi, le samedi 4, là. Comme ça, j'achète des ring lights et on a un bel éclairage. Ça peut être une excellente idée aussi. Bon, bref. J'ai le temps d'y réfléchir. Mais oui, Fire Emblem, donc voilà, moins de blabla, plus de jeux, comme on dit par chez nous. Et puis, let's gong, quoi. Alors. Ah ouais, c'est vrai, je suis blanc. Waouh, je suis blanc comme neige. 4K capture utility. Ok, ça fonctionne. Absolument que je pense à régler le son là-dedans parce que je suis en train de me niquer les oreilles. Voilà. Alors le You Died, on peut le faire disparaître, bien sûr. Je sais pas pourquoi il y a les barres grises là. Je comprends pas. Ah, il faudrait que je règle là-dedans. Dans le filtre. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de le régler? Il n'y a pas non plus des écrans blancs toutes les 5 minutes dans le jeu, quoi. Vas-y, j'y reste comme ça, flemme. Par contre, il faut aussi que je change là-bas dedans. Hop. Et ça. Tuna, j'ai pas pris ma fenêtre. Je vais essayer. J'arrive pas, j'ai de rechanger de source d'écran. Aïe aïe aïe, c'est pas facile. Hein. Ah oui, d'accord, il faut appuyer comme un zinzin en fait. Après, je sais même pas pourquoi je l'ai déplacé, mais bon. Si il y a un souci quand même, c'est. Là, il est où le bouton? Je suis en train de caresser le micro, j'espère. Que ça vous fouille pas les oreilles. Allez, engagement, c'est parti. Donc là, c'est chapitre 19. Waouh, bah. Ah oui, parce qu'il reste 10 chapitres de jeu là. Je crois, si je me souviens bien. Un truc comme ça.
Oh, on a plein de soutien à regarder, j'imagine. Oh! Ah oui, on en a. 1, 2, 3, 4. On en a 4. Ça va, c'est pas tant que ça en vrai. C'est énorme. 4, c'est énorme. On court. Comme ça. On va commencer par là, on est par ici. Alors... Putain, on est soutien C avec plein de gens, mais c'est un scandale. Et il y a plein de gens avec qui on n'a même pas un seul niveau de soutien, genre. Oh. Après, en même temps, comme on joue pas avec. Je veux dire. Ouais, des gens s'en foutent un peu, quoi. Ça, le souci quand il y a trop de persos. Vas-y, la piste. La piste vendeur. Je me demande si. Ah, ils ont pas de truc de soutien, merde. Bon, bah on va prendre Chidal et je sais pas qui. Et Pandoro. Ah là, je fais un bon coup là avec. De toute façon, je pense que je fais un bon coup avec pas mal de trucs. Ah non, avec Pandro en fait. Pandréo. Oh, c'est ta spécialité. Et tout le monde aime. Ya. Vendu. Là, il va nous rapporter plein de points. Oui. J'ai. J'ai un truc qui me gêne dans la dent, c'est chiant. C'était quoi sa voix déjà, lui? C'est un truc genre. C'est délicieux! Voilà qui me fournira de l'énergie pour danser. Je m'en assurerai plus tard pendant mon entraînement. Un truc comme ça, je crois. Lui, par contre, je sais plus. Lui, il a un peu l'accent espagnol. C'est très bon. Je te prie à me proposer pendant toutes mes fêtes. Je suis sûr que tout sera gobé en moins de 2 heures. Rambé, c'est tout. Je suis abattu. T'es nul. B. Tiens, Jean, prends un bonbon. Par contre, on a débloqué des dialogues de soutien encore. Oui, mais si t'es pas sage, je t'offre du crottin, alors méfie-toi. On peut faire des dons. On n'a que 1000 écus. Oh bah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va faire des dons, hein. Ich. Hérité de technique. Non. Je veux polir des anneaux. Bonjour, je viens me polir l'anneau. Figure des Alfred, c'était. Non, c'est ça? Ah ouais, ils sont déjà niveau 10. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, mon écran qui s'éteint. Parce que Sigurd, c'est un chevalier, t'as capté? Du coup, il faut un chevalier. C'est la chevalerie ici. Emberde. Mais il est immensément sale, cet anneau. Mancho Lifu. Lifu. Ça c'est avec Anna, évidemment. Elle est où? Elle est où notre queen? Ah bah elle est propre. Déjà. Lynn.
Bon, niveau 11, fiche. Lin et Alt-Christ. Alt-Christ. Oui, c'est très beau. Erika, les jumeaux. Qui c'est qui a les jumeaux? Sais plus à qui j'avais donné. Bah, c'était pas Timera? Si. Ah bah dis donc, c'était du rapide. Iki! Il est où? Il est où, diamant? Il est pas là. Il est entièrement ici. Ah oui, c'est avec Roy aussi qui. D'accord. Lucina. Bah, c'est avec Sakura, mais. Ah, mais ils sont pas de niveau 10 encore. Oh. Arrêtez de polir. J'arrête de me polir l'anneau. Céline et Corinne. Il est stylé cet anneau un peu. Celui-là, il est archi beau et en plus il ressemble au truc dans les cheveux de Miku. Voilà. Violet Alfred, je suis pas super convaincu en vrai. Par contre, Violet Klein. Eh, il y a de l'idée, non? Ou Violet Hortensia. Oh. Après, si c'est pour apprendre de la magie. Je sais pas trop, je suis pas super convaincu, mais pour l'instant on va rester Violet Alfred et puis on verra bien. Oh le sus, il t'a lâché un maxi soupir, genre il est en mode. Ça me fusille. Toi, il a quoi de la chance? C'est quoi impulsion divine déjà? C'est pour quelqu'un qui maîtrise l'art, les arts. Technique plus 10. Je me demande ce que ça fait du coup sur... Mais pour les améliorer, j'ai besoin de bidule, mais j'ai pas de bidule. Bah si, là j'en ai. J'en ai, mais je peux pas. Mais là je peux. Ah non, mais parce que j'ai déjà amélioré par contre. Ah oui, capacité 1. C'est trop compliqué. Le souci aussi, je pense, comme je fais pas les annexes, je suis bloqué au niveau 10 de avec les trucs. Non, mais un jour on fera les annexes, mais not yet, comme on dit. On va faire le tour, mais pas dans le même sens que d'habitude. Genre là, on va faire de la droite vers la gauche. Tu rien d'entraînement. On va peut-être pas faire s'entraîner ceux qui roulent sur tout le monde, hein. Déjà. Il faudrait que Jean y passe au niveau 20 là. Après le reste je joue pas avec, alors
Moi, quand je vois Chloé, Eti, Louis, ça me déprime. Même Zelkov, ils sont loin derrière. Lapis aussi, aïe 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 aïe. Boucheron. Oh. Et Amber et Chidal, oh là là. Ouais. Je ne veux plus me focus sur les persos que je ne joue pas. Quitte à jouer des gens, autant jouer les persos principaux, non? Il a battu Vendor, mais Vendor, il est nul. Vendor, je suis désolé, mais il est un peu éclaté, hein. Au début, j'étais en mode, ouais, il est archi fort et tout. En fait, au secours, quoi. Mec, il a une classe avancée niveau 4 et il fait R. Il est là vraiment, il est en mode non, non, flemme. Jean contre Yann, Yunaka, ouais. C'est le retour de l'écran qui passe au noir pendant que je joue. Ça ne m'avait pas manqué, je vous avoue. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai raté une action de zinzin là, non? Il y a eu double esquive, non? Bah oui, vu que l'écran est passé. L'écran a changé de couleur, ce bâtard. Abattu. Littéralement abattu. Vas-y, il faudrait que je regarde les techniques là à apprendre parce que j'ai plein de points. Acolyte. Affiche moins 4 caractéristiques de base de l'ennemi. Ça, c'est. Oh, c'est puissant, hein. Conseil de prof. Bon. Impulsion divine, ce serait plus pour ceux qui ratent souvent les attaques. Ce qui n'est pas le cas de. Sakura, on va pas se mentir. Élan, c'est très fort. Hein. Et mobilité aussi, tu me diras. Oh, initiative. Oh. Précision, dague. Ok. Parce que l'ennemi. Dans l'unité. Si son arme a l'avantage, ouais, mais ça c'est fort aussi un peu. Lynn, bon, bah évidemment. Par une attaque physique, elle inflige des dégâts supplémentaires au temps d'un. Ouais. L'unité subit moins 3 points de dégâts. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah en vrai, je sais pas trop. J'aurais dit Aura Dragunaire. Mais bon, pour l'instant, on reste sur rien. J'avais pensé à un truc pour Yunaka, c'était. Je sais plus quoi. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen. Yunaka. C'est vous. Aura Drag. Pas Aura Dragunaire. Bracelet lunaire, ce soit très fort, mais pas assez de PT, malheureusement.
Initiative, c'est 25% de PV, c'est pas beaucoup, hein. Bon, Yunaka, je vois pas trop pareil. Nos ennemis, elle peut atteindre. Assistance double, peut-être? Bon. Bon, pas convaincu. Céline. Céline, je vois rien du tout à lui apprendre. C'est horrible, mais c'est la vérité. Ou alors vol vitesse. Non. Bon, Fogado, il a déjà vol vitesse. Mais du coup, faut qu'il apprenne à la crité. Eh oui. Parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir le vol vitesse sans la crité, quoi. Oh purée, et est-ce que je peux apprendre élan? Non. Ah, oh, zut. Tant pis. Diamant, il y a trop de choses à apprendre à diamant. Pense bravoure. Bravoure pour diamant, ça me semble logique. Du coup, il faut que je monte niveau 5 avec Ike. Allez, vendu. Ike! Quoi sur niveau 3, ça va? Il se présente, c'est mignon. Victoire. Classique. Les rumeurs qui faisaient état d'un emblème puissant à Solm n'étaient pas infondées. Vous faites des prouesses sur le champ de bataille. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est modeste. Merci, mais je ne suis qu'un soldat parmi d'autres. Un peu plus entraîné peut-être, mais c'est tout. Aïe aïe aïe. Hérité de technique. Oula non. On est où là? Bravoure. Next, Alfred. Alfred, on lui avait déjà appris rien du tout. Ah mais c'est pour ça, hein? Mais élan, mais directos. Évidemment. Ivy, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à Ivy? En vrai, l'évitement, c'est fort. Évitement, c'est fort, mais on n'a pas assez, c'est ça? Attention. Évitement plus 15. Ou déjà peut-être évitement plus 10, tu vois. L'évitement, c'est quoi déjà? C'est... Vas-y, on va lui apprendre ça. C'est qui? C'est qui a évitement? C'est Erika. J'ai plein de fragments de liens, autant les utiliser. Ah oui, one shot. Elle est arrivée, elle a choisi la violence. Ona
ージ王女という立場としてあなたのことが羨ましいわ。あなたは素直で周りを温かな気持ちにできるから。Votre statut royal n'a rien enlevé à votre sincérité d'América. Je vous envie pour ça. Quel compliment inattendu! Merci! Ouais, je l'ai même pas laissé parler, il y a quoi? Agilité lance, noblesse, évitement. Non! Je voulais hériter. Enfin, non, pas tout de suite, mais. Ah, en vrai, je me dis, quitte à y être, autant prendre le plus 15, non? Voilà, hop. Chimera! Ça coupe. Il y a un truc genre critique plus. Lui faire faire des critiques. Non, c'est de la chance. Bah j'ai pas trop de... Ouais, pas de préférence. Il y en avait un qui me semblait pas trop bête, mais je sais plus ce que c'est, tant pis. Ah si, c'était puissance lance. Mais pff, non. Anna, on lui a déjà appris un truc, mais je sais plus ce que c'est. Bravoure, évidemment. Klein, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre à Klein? Pas grand-chose, je crois. Et Frame, elle a déjà 36 milliards de points. Bon. On a déjà fait pas mal de trucs. La charge. Ah, on est sorti du bon côté, nickel. Non, c'est pas les bons boutons pour courir. Ah, attendez, il y a la petite activité, bien sûr. Jade et qui? Jade et Rosado, elle est vendue. Dialogue d'Itpo. Mon dieu, on va passer notre soirée à faire des dialogues de soutien. Ouais, je suis là pour l'entraînement physique. Je suis là pour augmenter, je sais pas quoi. Appuie de manière répétée. Allez, les PV. Difficile, bien sûr. On s'entraîne ensemble, parce que quand même, il faut bien que Plume serve à quelque chose. Allez, c'est parti. Ah. Les années de Cookie Clicker ressortent. Putain, il y a longtemps que j'ai pas... Il y a longtemps que j'ai pas joué à Cookie Clicker. Mon dieu, il faut que je relance le jeu. Ah oui, mais je crois qu'il faut que je fasse une ascension et que... Ça va me prendre encore 2 heures pour arriver au niveau où j'étais. Là, j'ai un bot, je crois il a tous les succès sur Cookie Clicker, ce malade. Ça, à tous les coups, c'était pas legit. Ça commence à devenir complexe, là. Parce qu'il faut cliquer plus de fois, je pense. Puis j'ai le bras qui fatigue aussi, il faut dire. C'est littéralement des abdos, en fait. Plus t'en fais, plus t'as du mal. C'est quoi ces chaussures? D'ailleurs. Ah, ça me gratte l'épaule. J'arrive pas!
J'ai même eu un nouveau record, non? Donc quittez, hein, par pitié. J'ai mal au bras là, je vais avoir des courbatures demain. J'ai passé ma journée à touiller un truc là au travail. Hush, je te l'ai acheté. Oh, je souffre. Un joli galet. Qu'est-ce qu'on a gagné alors? Lance létale, cuirassé, bâton pâtissier, remède, manuel. Ah bah let's go. Je crois qu'on n'a plus rien à transformer par contre. Hein. Ah bah j'ai deux cuirs acides. Littéralement transformé un cuir acide et un Wow Dao. Ah putain, lame d'acier, il faut que je change. Hein. C'est pas ça qu'on veut là. Les lames, c'est mal. J'ai deux lances létales. Pareil, on s'en fout des lances létales. Je peux jeter une hache d'acier. Et un marteau. Et je suis en train de voir si je peux pas atteindre les 5 étoiles, tu vois, ce serait stylé. Putain, j'ai 36 milliards d'infernaux. Volganon, ça fait rien. Ah oui, alors c'est quoi ce bâton de pâtissier là? Rendre des PV aux alliés. Ok. Guérison 15. Remède c'est 8. Soin c'est 10. Ok, c'est meilleur que soin. Ça marche. Bon, je pense qu'on n'aura pas plus que 4 étoiles, donc on peut jeter un truc pas ouf quoi. Oh, tu vois là, c'était laquelle? La hache d'acier. On a déjà mis. Ouais, il doit bien y avoir un truc là, donc on n'a pas l'utilité. Lac d'acier, allez hop, voilà. Transformation! Mais par contre, du coup, moi je veux juste voir les objets en fait. Les trucs à consommer là, parce que. Bon, il va falloir les consommer, hein, ces quatre. Hein. C'est pas fait pour être moisi, quoi. Ces manuels de novice là. Regarde, eau bénite. Mais ça, c'est que un tour. Mais genre, la goutte, c'est force de manière permanente. On en prend une tout de suite d'ailleurs. Alors, j'ai pris, mais je voulais utiliser. Voilà, à qui on va augmenter la force? Anna. Oh putain, je vais être obligé de poser une hache là, vraiment. Ok, et maintenant il faut récupérer la friande hache. Prendre. C'est quoi les autres objets? Bon, on y est, hein, on en profite. Magie plus 2, défense plus 2, résistance plus 2, mouvement plus 1. Ça, mouvement plus 1, c'est fort. Hein. Mouvement, je pense qu'il faut le donner à Céline parce qu'elle bouge pas beaucoup, hein. 5. La frame, elle est à 5 aussi. Ah, mais en fait, tout le monde est à 5. Bon, mais je ressens le besoin de le donner à Céline. Le mouvement.
Les mouvements, c'est un must-have. Hein. Je sais plus ce que c'était les autres objets. Défense, résistance, non, c'était ça. Hein. Oh, mais ça vibre dans tous les sens. Je parle pas de mon vibromasseur dans mon cul. Ah là là! Non, mais il faut arrêter, c'est pas possible. Bon, magie plus 2. Klein. Quoique. Céline. Elle est à 17. Klein, il est à 18. Ivy, elle est à 26. Oh. Hortensia, elle a pas beaucoup de magie, hein. Mais après, elle, c'est la faiseuse de baguettes. Mais justement, ça peut toujours être utile d'avoir un personnage qui a plus de puissance. Gérer objet. Utiliser. Après, on a défense, résistance. Et bien, défense, ce sera Ivy. Parce que je pense que. Voilà. Elle a 9 de défense frame. Oh là là. Ah, bah, ce sera pas du tout Ivy en fait. Puisqu'elle a une bonne défense. Résistance, je vois que Alfred. Anna, elle n'a pas beaucoup de défense non plus. Pas beaucoup de défense, pas beaucoup de résistance. Aïe, aïe, aïe. Alfred, on lui donne la résistance, bien sûr. On va lui récupérer son javelot, là, parce que... Et du coup, défense. Et Hortensia, là, combien? Sept de défense. Oh là là. Oh là là. Putain, ce sketch pour trouver à qui donner plus de défense. Oh là là. Non, mais vraiment. Après, ouais. Quand on a moins de 75% de PV, il y a bravoure, tu vois. Ça fait plus 5, donc bon. Que Frame, elle arrive pour heal, c'est plus compliqué avec seulement 9 de défense, quoi. Allez, on fait ça. Après, on va pas jouer Frame tous les jours non plus, quoi. Que ça dépend. Bref. C'est pareil, il y a les 36 milliards de manuels, il faudrait les utiliser, mais... 500 000 pt. Tout à l'heure, on disait c'est qui devrait apprendre quoi? Je sais plus. J'ai pas pris des techniques, là. Ah, bah non. Vous a précision, Tom. Genre, je lui ai appris. Ah oui, mais ça fait doublon. Ah oui, mais on s'en fout. Je sais même pas que je lui avais appris précision, Tom. Il y a des trucs que je découvre. Ça, oui, d'accord. Ah, voilà, et là, ce sera mieux ensuite.
Évitement. Il y a moyen de voir petit détail. Pondère les chances d'éviter un coup critique. Ah putain, c'est pas du tout d'esquive, du coup. C'est mieux que rien, on va dire. On avait appris un truc à... Hortensia, je crois pas. Hein. Je crois qu'on s'était dit non, flemme. Ouais, c'est ça. C'est cela. Donc, ici, on a tout fait. Allons récupérer. Les objets. Je veux pas voir le dromadaire. Non plus. Je veux juste récupérer. L'objet. Tu trouves du lait par terre comme ça là, je le récupérerai pas personnellement, mais pourquoi pas, hein? Chacun ses goûts. Là, il y a des objets. Ah, peut-être des magistères à aller acheter et tout. Il y a moyen. C'est bizarre d'arriver par ici, d'habitude, j'arrive pas par là. Nourrissons-le d'orange. Let's go, fragment de lien plus 100. Allez, je te caresse, comme ça tu vas me donner encore des fragments de lien. Voilà, c'est bon, hein. C'est tout, n'abusons pas. Putain. Voilà, il y a un truc à gauche, et après il faudra aller à droite. Une gemme protectrice. Et qui ici? D'accord. Du crottin. Le du petit Jules qui vole comme ça. Eh bien. Regardez-le, ce petit. À la pêche. Bah oui, je suis venu pour pêcher, je suis pas venu pour enfiler des perles. Ah, là je vois que je suis transparent. Je suis en train de parler, wesh. Wesh, sale poisson là, je suis en train de causer ma main. Oh punaise, dans 4 jours, il y a le truc. Il y a le truc de level 5. J'espère tellement un Dragon Quest 9. Pitié. J'y crois souvent, mais là, j'y crois encore plus que d'habitude. Parce qu'il a, le jeu était développé par Level 5, mais juste édité par, par Square Enix, hein, bien sûr. Mais du coup, j'ai envie d'y croire. En plus, ils doivent annoncer un nouveau jeu. Après, le truc, c'est pas du tout dans le thème de ce qu'ils avaient annoncé. Lors du dernier la dernière conférence Level 5, donc bon, voilà quoi, mais Subarashii seika da. Watashi mo odoroita zo.
Mais j'ai envie d'y croire. Et j'y crois même. On passe à des endroits vraiment. Je sais même pas à quelle heure c'est. Je sais que c'est le 24, mais je sais pas à quelle heure. Est-ce suivant l'heure que c'est, en vrai, on pourrait presque le se le faire en stream, hein? La vérité. Est-ce que. Ouais, à mon avis, on doit pouvoir acheter des trucs, non? Oui, je me doute que tu as des nouvelles marchandises. C'est pour ça que je viens. Wow, remède, constitution. Allô? Le problème, c'est que j'ai pas de. Téléportation et. Ah non, téléport et téléportation. Des baguettes d'enculé. Hein. Il y a un magistère et un scolaris. J'ai pas de sous. Personne me donne des sous là dans ce jeu. Soutien. Oh là là. On va en avoir pour la Videra. Oh bah pourquoi tu truites des bouts? Que peut faire une misérable menteuse pour vous, votre agréable? Non mais j'ai bugué. Que peut faire une misérable menteuse pour vous être agréable, votre divinité? Il faut que nous parlions. Je vois. Sachez que j'accepterai tout châtiment que vous jugerez bon de m'infliger. Un châtiment? Mais non, je voulais simplement vous dire que je vous suis reconnaissante de combattre à mes côtés. Je le pense vraiment. Vous battez de toutes vos forces pour assurer la protection de nos alliés. Je n'ai pas la moindre raison de vous punir. Avec un peu de recul, je pense que si vous avez menti, c'est avant tout parce que nous ne nous connaissions pas très bien, vous et moi. Je me souviens même plus du mensonge qu'elle avait dit, genre. Et cela doit changer. Que diriez-vous de me parler un peu de vous, Yonaka? Oula! Me voilà sur la sellette! Si vous ne voulez rien me dire, je n'insisterai pas, je vous assure. Oh là, les yeux dans le vide, regarde, elle est là, elle est vide, elle est là. Avant de nous joindre à vous, disons que je me laissais porter, chercher ma place dans ce monde. Mais cligne des yeux, Ah, voilà. Mais enfin, je sais pas, elle fait peur. J'ai tourné le doigt à la personne que j'étais alors. En tout cas, c'est ce que je voulais croire. Vous n'avez pas l'air de l'apprécier beaucoup, cette personne-là. Ah, mais je pensais qu'elle. J'ai rien compris. Ah, si, elle ne me dérangeait pas. C'est plutôt les autres qu'elle dérangeait. C'est pourquoi j'ai dû lui dire au revoir. Mais je suis contente de la personne que je suis devenue. Sans compter que depuis que je vous connais, je m'amuse comme une petite folle. Top moumoute. Vous m'envoyez ravi.
J'apprécie cette conversation, Yunaka. Nous devrions faire ça plus souvent, qu'en dites-vous? Marché conclu! Ah, vraiment la best, hein, Yunaka. Shidan. Belle soirée pour s'entraîner à danser, Sidal. Oh, votre divinité. Je ne m'entraîne pas. Je suis en plein spectacle. Après tout, j'ai un public ce soir. Nous sommes pourtant tout seuls. La lune est là. La lune? Eh oui, la lune argentée qui brille dans l'obscurité infinie. Et la multitude des étoiles aussi. C'est pour elle que je danse ce soir. Votre divinité, saviez-vous que les morts abandonnent leur enveloppe charnelle pour devenir des étoiles? Mon maître est là-haut dans le ciel. Celui qui vous a formé est donc mort. C'est exact. Ses pas de danse étaient ses préférés. Mais là, il était juste en train de hocher la tête, mec. C'est magnifique, Shidal. Chacun de vos gestes est empreint d'une beauté incroyable. J'ai renoncé à bien des plaisirs dans la vie pour que ma danse ne soit que perfection. Ah, excusez-moi. Oh. Ce n'est pas facile. Je travaille scrupuleusement chacun de mes pas. Je fais très attention à mes ressources énergétiques. Mes talents de danseur sont célèbres dans tout Solm. La suffisance et la médiocrité ne sont pas envisageables. Quelle discipline! Je vous admire. Je sens aussi quelque chose d'éthéré en vous. Quelque chose dont je devrais me méfier. Elle a sorti comme ça, comme ça. Je devrais me méfier de vous. Puis-je reprendre mon spectacle maintenant? Oh, oui, bien sûr. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Méfie-toi, ouais. Allez, Pandoro. Ah, votre... Putain, j'ai commencé à faire l'allemand. Ah, votre divinité. Puis les dragons. Les dragons, je voulais toucher des mots. J'aimerais vous demander une faveur. Ah? Quel genre de faveur? Eh ben, j'organise une fiesta bientôt et j'aimerais que vous soyez des nostros. Mon Dieu, pitié, ne me fustigez pas pour ces actions. Oh, c'est juste que je ne sais pas quoi faire d'autre. Pour los fidelos de l'église, vous êtes au centre de tout. Ah, vous êtes notre déesse. Vuestra presencia va emballer las foules. Dites-moi un peu plus au sujet de cette fête. Qu'y aura-t-il? Oh, rien de guindé. Ce sera juste l'occasion de pousser la chansonnette, de danser.
De danzar, oh là là, non, de bailar, de passer un bon moment, insomma. Vous pourrez relâcher un peu la pression et tendre l'oreille. Écoutez ce que les autres invités ont à raconter, quoi. Ce serait sans doute amusant, mais en quoi le fait que j'écoute les autres invités vous aidera en quoi que ce soit? Mais c'est une évidence! Ça donnerait énormément de courage à tous! La première fois que je vous ai vu de mes propres yeux, ah, j'étais ébloui! Ah, dites, vous en faites un peu des tonnes. Bah non, il est fanboy, moi ça me choque pas. Je fais pareil quand on parle de la grande déesse. Ah, pardon, pardon, yeah, mais je vous laisse emporter, c'est cool. Ah, enfin bref, yeah, vous tombe dessous sans prévenir. Vous avez pas besoin de me répondre dans la minute. Par contre, je préfère vous avertir. Quand j'organise une fiesta, je ne le fais pas à moitié, hein. Vous pouvez être sûr que ça va dépoter las putas, las musicas, las drogas. Ok, ouais, c'est noté, mec. Ah, muchas gracias, votre divinidad. Aïe, aïe, aïe. Sacré Lascar, ce Pandoro. Ah, Céline Alfred, la fratrie. Et sais-tu ce que tu es, Alfred? Un barbare attifé comme un prince. Oh, c'est gentil de me dire ça. Merci, ma petite Céline chérie. Hé, hey, mais comment tu peux prendre cela comme un compliment? Tu fais évidemment référence à mes muscles saillants qu'évoque ceux d'un barbare, non? Un joli compliment, même si tu le dis juste pour faire plaisir à ton grand frère. Mais c'est pas du tout ce que j'entendais par là! Ce n'est pas bien grave, Céline. Si c'est pas ce que tu voulais dire, alors c'était quoi l'idée? Ta première réaction en entendant que l'eau venait à manquer a été de creuser un puits. Ah oui, cette petite boulette. Oh, j'en ai rougi comme une tomate. Hélas, c'est loin d'être le seul exemple. Te souviens-tu du jour où tu as entendu les soldats se plaindre de ne pas pouvoir se laver? Tu as aussitôt bondi pour leur creuser une source d'eau chaude. Ah non, on le fait comme ça. Oh? Tu n'aimes pas les sources chaudes? Typique masculine bouve. Là n'est pas la question. Pourquoi est-ce que ton premier réflexe est toujours de creuser? Oh, mais c'est parce que c'est un excellent entraînement. Et j'adore les pelles. Ah, mais tais-toi, je t'en prie. Ce sont les réactions instinctives de cette sorte qui te classent parmi les barbares. Ce ne serait pas un problème pour la plupart des hommes, mais t'es un prince, tâche de te comporter comme tel. C'est bon, Céline, j'ai compris. Il n'a rien compris. À partir de maintenant,
Je vais redoubler l'effort à l'entraînement. Fini les jours de repos. Sous peu, je serai devenu une telle montagne de muscles que tout le monde pourra voir d'emblée quel formidable barbare je suis. Ah, il n'y aura plus l'ombre d'un doute. Ah, personne n'utilise de rechef, par contre. Tout compris de travers. C'est rigolo. Diamant et frame. Aïe aïe aïe. Qui rêve de fixer l'autre le plus longtemps? Toi ou ce livre d'histoire? Ah, Prince Diamant, mes excuses, je ne savais pas que vous étiez là. Tu n'as pas à t'excuser, Ephraim. Quelle est donc la raison de ta frustration? Puis-je t'apporter de l'aide? J'ai encore failli à mon devoir de gardienne et Vander m'a mise en corvée d'études. Vous l'auriez entendu? Tu ne prends jamais ton rôle au sérieux. Le moins que tu puisses faire, c'est t'éduquer. Alors, c'est Vander qui t'a donné ce livre. Il ne semble pas te procurer beaucoup de plaisir. Alors que moi, je pourrais. L'histoire, c'est barbant. Rien que des guerres, des problèmes de frontières, des guerres, des conflits commerciaux, encore des guerres. Pourquoi devons-nous toujours te battre? Les gens ne peuvent pas se détendre une bonne fois et être amis? C'est vrai, ça. L'histoire a en effet tendance à être ponctuée de guerres. C'est de moins le cas depuis la première guerre contre le dragon déchu. Mais l'histoire, ce n'est pas que des batailles et des bains de sang. Par exemple. Mes ancêtres ont pu prendre des Broja grâce à la protection de Lumera, pas par le pouvoir des armes. Tu peux vraiment en apprendre beaucoup en étudiant l'histoire. Vander a pris la bonne décision. Si vous le dites. Hey, continue de lire. Tu n'y trouveras pas que des dates et des anecdotes, je te le promets. Les gens aussi ont une histoire. Ouais, vous avez sans doute raison. Je ne suis pas encore allé bien loin, c'est assez éprouvant. Ah, c'est vrai. Il n'est pas simple de lire un ouvrage sur les anciens conflits quand on est soi-même en guerre. Mais ne t'en fais pas trop. En tant que prince héritier de Brodia, je fais le serment qu'une fois roi, nous vivrons en paix. Wouah! Pour de vrai? Un serment de la part du prince héritier de Brodia veut toutes les promesses du monde. Je ne dis pas cela en l'air, tu verras. Tu peux te détendre un peu. Ah, j'y compte bien, mais seulement après avoir lu quelques pages de ce livre pas si barbant. Je sens une certaine alchimie entre ces deux personnages. Oh, Alfred Ivy. Je dis oui. Princesse Ivy, nous devons cesser de nous voir à ces heures indues. On va jaser. Alfred,
Ah, il s'entraînait à tous les coups. Prince Alfred, n'êtes-vous pas censé être couché depuis longtemps? Oh, ce n'est pas que je veille tard, c'est que je me suis levé tôt ce matin. Je ne suis pas sûr qu'il soit tellement tard qu'on puisse dire qu'il est tôt le matin. Mais vous-même, que faites-vous là? Je n'arrivais pas à fermer J'aurais cru qu'il était encore plus difficile de dormir ici. L'endroit est si lumineux. Elle a perdu noir? Non. En fait, je suis mieux ici. Il souffle un méchant vent cette nuit, pas vrai? On croirait entendre hurler un fantôme quand il s'engouffre entre les arbres. Que sous-entendez-vous par là? Inutile de tourner autour du pot avec moi, princesse Ivy. Vous aviez peur de rester toute seule dans votre chambre, c'est cela? Comment osez-vous? Hey, y a pas de honte. Le vent me flanquait la frousse aussi quand j'étais petit. Oh. Ouais, excusez-moi, c'est toujours faire des voix, ça. Je me précipitais sous la couverture et je sortais plus jusqu'au petit matin. Je ne suis plus une enfant. Quand la peur vous prend, pensez à quelque chose que vous aimez. Vous serez endormi, on n'a rien de temps. Ma mère me disait la même chose, après quoi je dormais comme un bébé jusqu'au lendemain. Je retourne me coucher. Il n'est pas de bonne santé sans un sommeil réparateur, comme on dit. Bonne nuit! Et ne laissez pas ce vilain vent vous la gâcher. Merci. C'est elle qui a peur des chenilles et... Ah là là, hein, je sais plus quoi. C'est Diamant qui a peur des chenilles, je sais plus. Salut Rosado, es-tu un moment de libre? J'aurais une petite question à te poser. Lujo, on avait fait une voix en mode... Ça part n'importe comment. Laisse-moi deviner, tu voudrais connaître mon secret, savoir d'où je puise de mon charme? Désolée, mais je n'ai pas de réponse à te donner. J'ai toujours été adorable. Hein. Je crois que c'est mon destin, tout simplement. Non, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse. Ah! Tu sembles avoir une énergie inépuisable. Il paraît que tu peux travailler toute la nuit et être en pleine forme le lendemain. Oh, c'était exact. Veiller toute la nuit ne me pose aucun problème. Je suis toujours en forme le lendemain. J'ai trouvé ça un brain rot de génération TikTok, lui. Ah, je t'envie. J'aimerais en être capable moi aussi. Si je pouvais travailler toute la nuit, je réussirais à écrire tellement plus de romans. Aurais-tu des astuces pour moi? Tu sais,
J'ai jamais trop réfléchi en fait, bah. Je suis pratiquement sûr que c'est mon charme qui me laisse tenir toute la nuit sur la mode fatigue. Tu devrais en faire autant. Ton énergie te vient de ton charme? Ça paraît étrange, mais ça peut toujours valoir le coup d'essayer. Je n'ai encore jamais cherché à être charmante. Quelques tuyaux d'un maître en la matière me rendraient bien service. Jade, tu as frappé à la bonne porte. C'est chez moi. Nous allons faire ressortir l'éclat de ton charme intérieur. C'est insupportable cette voix que je lui donne là. Ich. Un Pandoro et Shiddle. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, enfin, j'ai fini par maîtriser ce pas. Oh, Ishida! Vous bougez avec une telle grâce! Oh, rien de plus normal. C'est mon métier de danser. Ah, quand j'ai vous ouais, écoutez, c'est pas là, j'ai envie de me mettre à gigotard aussi. Ça vous dirait? Vous voulez bien bailar conmigo? Bien sûr, monsieur. Non, ça c'est la voix d'Alfred. Bien sûr, si cela vous fait plaisir. C'était un truc comme ça, ta voix, je crois. Là là, j'ai perdu. Et une conclusion dans les règles de l'art 1. Cette chorégraphie restera dans les annales de la meilleure de l'histoire. Je n'ai jamais dansé comme ça. Nos gestes étaient à contre-temps. Oh. De A à Z. Ah oui, lui, c'est il soupire pour parler. Rien d'étonnant à ce que l'on appelle la danse des ténèbres. Quelle danse atroce. Ah, vous trouvez? Moi, j'ai adoré. Vous avez adoré. Vous avez adoré? Vous contentez de cela? Qu'est-ce que tout veut dire par me contenter? J'ai cru comprendre que vous aimiez danser. Eh bien. Si vous voulez vraiment vous consacrer à cet art, il va falloir travailler. Alors, c'est comme ça, hein? Oui. Et pas autrement. Mais ne vous en faites pas, je vous apprendrai à danser convenablement. Ah, très bien. Puis-je vous insister, hein? Ça m'étonnerait que je mette longtemps à prendre les coups de mano. Il est 21h22. Je pense qu'on va pas. On va pas faire un chapitre aujourd'hui, on va faire une annexe.
Parce que là, si on part dans un chapitre, mais on en a pour la Videra, non? On fait des tours, des détours, des... Attends, c'est la vraie route, c'est là? Non, ça c'est annexe. Mais du coup, on n'allait pas en Pyrénées? Route vers Élusia. Ah non, d'accord. Oh. Écrit de l'AD encore. Non, je veux aller là, là. Classe avancée niveau 7. Alors, c'est pas pour tout de suite. Classe avancée niveau 3, ça, à mon avis, on peut. Classe avancée niveau 5. Classe avancée niveau 5. Classe avancée niveau 8. Ok. Et c'est combien le chapitre? Classe avancée niveau 5. Ah bon, bah allez faire les trucs niveau 3 alors. Le truc. Allez, allez, j'aimerais bien. Non. Oui. C'était où? C'était là. Non. Pas du tout. La tombe sacrée, c'est celui de Bylett. C'était par là, là, ici. Fort désespoir, le retour. Je prends mon équipe classique, hein, parce que c'est bon, les autres, ils n'ont pas monté de niveau depuis, donc n'aurait pas vraiment grand intérêt. Où sommes-nous? Au château de Gebal, en tout cas, ça y ressemble. Un endroit où vous êtes déjà allé? Oui, c'est près de la frontière entre les nations de Crimée C'est intéressant de voir que c'est ici qu'aura lieu l'épreuve. L'épreuve? Nous avons été poursuivis jusqu'ici par les armées du royaume de Dain. Elles nous ont assiégés, nous piégeant entre ces murs. Toute retraite était coupée. Leur force était écrasante. Mon père était mort. J'avais repris son rôle de chef des mercenaires Grail. C'est là que j'ai enduré ma première grande épreuve. Ça a dû être très difficile. Qu'avez-vous fait? J'ai combattu pour protéger ma sœur et les mercenaires de Grail. Si vous vous trouviez dans la même situation, que feriez-vous? J'aime penser que je me battrai également. Je ne veux pas qu'il arrive du mal aux personnes auxquelles je tiens. Et je crois que vous vous battriez bien. Allez. Allez. Montrez-moi comment vous défendriez vos proches. Pas avec des mots, mais avec des actes. Une épreuve? Vous voulez que je me batte contre vous? Si vous remportez la victoire, ça renforcera notre lien. Compris. Compris. Je ne perdrai pas. Très bien. Commençons.
Connexion. Mais pas jusqu'à quand il est mon abonnement Switch. Ah mais je l'ai renouvelé en mars, je crois. Donc ça va, il y a le time quoi. Bah, elle est très bien cette équipe là, non? On a juste pas Prime et Hortensia. En vrai, je me dis plutôt que de prendre Fogado, est-ce qu'on prendrait pas Alchrist? Changer un petit peu. J'ai envie de jouer avec Alchrist. Après, sinon, on est bien, hein. Alors, est-ce qu'on joue avec Yunaka? Y a qui soigne là? Y a que Ivy. Que c'est déjà bien. Non, y a Céline aussi. Ok, allez, on parle là-dessus. Emblème. Qu'est-ce qu'on donne à notre cher diamant? On peut lui donner Leaf. Alfred, et on lui redonne Sigurd, bien sûr. Ah, on peut donner Bylette à... Je sais pas qui. Alors, Alchrist. Ce sera Lynn. Et Kalusina, Corrine, ouais. Ça fait quoi avec Bylette? Force. Ok. Et sur Ivy. Déjà, Bylette, ça augmente quoi? La magie, la vitesse, la chance. Ah oui, donc on va pas donner Bylette à... Résistance. Ouais, bon, c'est pas non plus... Mais peut-être que... Ah non, ça augmente bien la magie. On va donner à Ivy. Ou à Yunaka. Ça augmente quoi si on donne à Yunaka? La vitesse. Allez, donnons-le à Ivy. Force technique PV. Technique, vitesse, chance. Vendu. Personne sur le stream ce soir. Ich. Ok. Au niveau des... Non, c'est pas emblème que je veux, c'est inventaire. Rage. Hop. Permuté. Alors, il y en a en bas. Ah oui, ça arrive de tout, dans tous les sens après, là. En bas, c'est qui? Les verts. Oui, sachant que Diamant, il a aussi une épée. Hein. Il s'est pas mané. Également capable de manier l'épée. Attends, mais il faut donner une épée à ce pauvre Alfred. Ah oui, mais à la place de quoi?
Honnêtement, à la place du javelot. Voilà, au moins il possède au moins une épée. Personne n'a une lame, j'espère. Non, ça va. De toute façon, il faut. Après, c'est là où qu'il faut aller. En même temps, je me dis, faut. On va. On peut commencer par celle d'en bas, hein, tu me diras. Je sais pas. Bon, on va voir. Allez, combat. Déployer Ivy 5 fois, ça fait que 5 fois qu'on la déploie, Ivy? Bah, dis donc. Putain, il y a l'archer, ça dégoûte. Sachant que c'est ouais, des haches, donc il faut se mettre là, objet, épée, attendre. Alors là, j'ai le truc qui fait que si j'initie le combat, mais là je vais pas initier, donc... Ah mais c'est pareil, là c'est si j'initie. Voilà. Ah, j'ai pas d'arc qui attaque à 3. Non, j'ai pas pris. Le bâtard, il attaque de loin. Ah, mais moi aussi. Ah, j'ai laissé le javelot. Oh, c'est le pire move. Enfin, en vrai, non, du coup, là, c'était un move smart. Mais par contre, il faut que je fasse attention à ça. Hein, parce que... Vraiment que je fasse attention aux armes équipées. Putain, mais il avait pas beaucoup de chances de frapper quand même. Hein. Ah oui, j'ai bouclier d'armes parce que j'ai l'avantage. Il se bat bien l'épée. Voilà, un bâtard. Oh! Après, Anna, elle sera en susu. Mais en même temps... Ah, il tue pas? Non. Ah ouais. J'aurais dit ça tue. Par contre, elle les tue. Alors, elle en tue un, mais pas deux, hein. Ça me dire même feu ça tue pas. Et si j'utilise rage, voilà, rage ça a démoli par contre. Je vais faire ça. Je fais rage.
Let's go. Concentration à l'épée. Elle n'a pas d'épée. Avec Anna, on recule. Ah, oh, je pensais que ça allait tuer. Oh non, je suis abattu. Putain, c'est pas grave, on finira avec Yunaka. Ah oui, solaire. Au fur et à mesure, attends, mais j'ai débloqué sa compétence de niveau normalement. Mais oui, du coup, mais c'est solaire. J'ai oublié. Yunaka qui arrive et qui vole le kill comme ça là. Hop! Allez, vendu. Talion, ça tue. Hein. Cabal lucide aussi. Cabal lucide, c'est 52. 44. Ah, il a raté. Ah, je mobilité. Bon, je vais rester là. Libération. Oh, soy. Ah, XP max. Le cornet de glace qui carie PTDR. Il fait combien? 11. Donc l'autre, il doit me faire 11 aussi, je pense. Ouais, mais il vaut mieux que je me mette là. Je peux même me mettre là, tu me diras. Après, à mon avis, Altrist et Ivy vont prendre un taquet, mais... Mais bon. Ah ouais, l'arc de lumière, ça fait mal, hein. On va voir comment ça se profile. Oh, 12. Bon, c'est pas si pire. Ça fait mal, mais... On a connu pire. Ah oui, il a clairement pas l'avantage en plus, lui. Ah d'accord. Ah, par contre, il avait l'avantage. La bête est malin, il aurait dû attaquer d'abord. Eh oui. Oula, qu'est-ce que c'est?
Ah oui, mais Céline, elle est trop loin pour soigner Alchrist, là. Non? Je crois bien. Oh, connasse. Après, je crois que lui, il a que un bâton, c'est ça, hein. Un bâton et puis des sous. Ah, mais il y a quatre ennemis. Merde. Oh, mais c'est bon, je peux le soigner large. Non. J'ai confiance en diamant, hein. Je le fous en première ligne, hein, basta, hein. Oh là là, lui, il va prendre tarif. Patron, vous voyez Anna. Vingt-cinq, bon, le moins fort, c'est lui, donc ce n'est pas ma priorité. Oui, c'est vrai, ça rend de la vie. Ouais, niveau 5. Qu'est-ce qu'on gagne comme truc? Tempête de sable. Et 1000 balles. Lors d'une attaque physique, les dégâts peuvent être calculés avec 150% de la défense au lieu de la force. Je vais direct tuer lui parce que il va me saouler donc. C'est Lucina qui a esquive. J'ai plus mal avec Talion. Mais par contre... Moi, j'ai pas l'avantage. Je préfère prendre l'avantage quand même, parce que je pense, oh, quoi que. En vrai, c'est pareil. Bon, je vais rester avec ça. Ah non, putain, c'était archi con. Parce qu'après, s'ils viennent m'attaquer, je pourrais pas contrer. Ah oui, mais ils vont rater. Donc l'un dans l'autre. Papa dans maman.
Ah, j'avais pas prévu ça. Ah, j'ai encore rage d'équiper. Bah, c'est pas si pire. Ah, mais c'est une licorne son cheval ou c'est juste une corne en métal? Elle était stylée son mouvement là. Oui. Pff, 4% de chance de toucher. Oh, solaire. Oh là là. Mais quel boss. Eh ben. Putain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain. Niveau 6, niveau 11, niveau 9. J'aurais bien aimé soigner, mais... C'est bien de tuer aussi. C'est 5, 8, 3. Ah, ça le finit pas. Par contre, je pense que je tue l'autre. Oui, bien sûr. Même pas. Il lui reste un PV. Mais quoi? C'est pas possible. Après, ça fait plus d'XP, tu me diras. Ah, mais tu pas. Ah bon. Moi, je prends carrément moins. Ah oui, je prends moins de dégâts parce que j'ai plus de vitesse. Osaki! T'as lâché un soupir. J'ai combien de résistance? 18, ça va. Oh non, il m'a touché. On vient récupérer les objets. Bon, un tome en plus, je dis pas non. L'expérience. Ah, mais il y a un ennemi là. Oh, c'est un cuirassé, à tous les coups je vais en chier. C'est quoi l'objet qu'il a? Des sous. De toute façon il va bien venir à un moment. Peut-être pas, tu me diras. Oh!
Enfer. Et lui, il bouge pas non plus. C'est moi qui dois aller les chercher. Oh là là. Putain, j'ai rien contre les unités cuirassées, Jameson. Unité 6. Ouais, mais 6 plus 6 fois 3? 18, hein. Don't forget. Pense qu'il vaut mieux attendre qu'il se rapproche. Ah putain, je peux pas voler par-dessus les murs. Ah! Remède. J'aurais dû prendre un bâton moins rare. Je vais avoir un souci avec Anna. Il a presque plus de vie. Un petit tome comme ça. Non, pas jeté. Bâton, remède. Hop. Hop. Et voilà. Phase ennemie. Ah, mais voilà, il bouge l'autre. C'est dans les escaliers, on voit pas très bien. Ah, ça y est, il va commencer à bouger le sagouin. Je peux le tuer avec... Oh, je peux. Je le touche. Oh, vas-y. Non! Oh, je suis abattu. Je suis trop triste, j'allais dire. Je peux pas me rapprocher. Oh putain, il aurait fallu qu'elle soit à la place d'Alfred. Mais est-ce que Timéra... Timéra, elle tue pas. Alors, elle tue pas avec ce truc. Ouais, tue pas non plus. Je sais pas, mais elle fait des dégâts. Hein.
Combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, éventuellement. Ah mais oui, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire avec... Bah si, parce que l'objectif c'est que Alfred bouge pour pouvoir attaquer. Ça fait 6, et si je fais ça, ça fait 9. Ouais, parce que lui aussi il a un épieu. Enfin, non, lui il a un épieu, nous on a un javelot. Oh, il a avancé de rien du tout. Ok, bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais d'accord. Si tel est ton désir. Il nous a touché. Oh. 21 au lieu de 8. Ouais, pas mal, tempête de sable. Là, par contre, il se rapproche. Dangereusement! C'est ça le truc, c'est que ouais, là je suis, ils sont trop éloignés, mes petits gens. La hache, non, c'est pas fort. C'est pas fort, c'est moins fort. 11, 5, 9, 7. On rebascule pour récupérer de la vie. Ça va pas tuer. Et je récupère pas tant de PV que ça, mais bon. Ah. Bah, sauf s'il se rate, quoi. Voilà, comme ça. Ah, je peux me mettre là pour lui rendre de la vie. Oui. La bête. Ah, ça one-shot pas. Oh. Ah, bah si. Ça dégage. Il pourrait me toucher presque, hein. En prise du néant, je sais que ça augmente mon attaque, mais de quelle façon? L'unité attaque avec un tome peut augmenter les dégâts de 50% de la magie. De l'ennemi. Mais c'est bête parce que si tu tombes contre un ennemi qui a pas de magie du tout, c'est nul. Genre là, typiquement,
Vinity Curasnel ne devait pas avoir beaucoup de magie, je pense. Wesh, il attaque à deux distances de Fada. Comment ça, 2 x 12? Oh là là. C'est là que les problèmes commencent. Je lui fais combien? Alors lui il me fait 11, ça va. Et Cabal Lucide, ça one shot. Je vais même pas gagner d'XP. Là, il faut reculer parce que. Sauf Yunaka, qui je pense peut attaquer. Parce que je pense qu'elle pourra esquiver les autres attaques. Ok, pas mal. Il n'y a que les archers qui vont l'attaquer, donc ça devrait aller. Oui, c'est bien, il faut pas abandonner. Parce que regarde, hop. J'aime trop ce perso, mais c'est vraiment un perso fragile, c'est trop triste. Bon, elle est pas mal ici. Et il nous reste Alchrist. Mais il attaque à 2 cases. Bon, j'espère que Yunaka va pas mourir, hein. Oh là 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 là! Survie, Yunaka, hein! C'est bon. Oh non. C'est une unité cuirassée! Oh merde. Ça veut dire. Oh bah t'es bon, si c'est une unité cuirassée, je le démolis. Pas tant que ça. Ah, par contre, avec l'arc de lumière, si. Bah, c'est bon, regarde, je lui fous un coup d'Ivy, un coup de Céline, il perd sa vie, un coup de Alchrist, c'est terminé. Nickel. Je suis déçu, je voulais farmer l'XP, mais je vais pas pouvoir. Si je peux sur lui. 9, 1. Tu me diras, je peux permettre de faire 16 fois 2 parce que c'est le dernier. Ouais, bon, allez. Oh. Impitoyable.
Ah, nickel, ça fait quoi ça? Inflige plus 50% de dégâts aux ennemis dont la garde est brisée. Oh! Je vais quand même faire mon move au cas où. Ah oui, parce que c'est peut-être même pas sûr que ça le... Alors attends, le katana double, ça fait quoi? Avantage contre les lances, mais désavantage contre les haches. Ah, mais je peux mettre là et faire rage. Ou machin d'eau, là. C'est quoi ça? Ah, attends, si je me mets là. Et que je fais rugissement torrentiel. Ça lui fait que 13. Pas fou en fait. Aura effroyable. Ah oui, ça fait quoi ça? Ici le combat, la cible, les ennemis qui lui sont adjacents ne peuvent pas se déplacer pendant un tour après le combat. Oh. Ah donc là il peut pas se déplacer. Ah, nulos. Feu! Putain, il a 21% de chance de critique. Et heureusement que je lui ai mis évitement, hein, puisque... Ouais, ça one-shot, évidemment. Cinq... Ouais. Ah, après, ça le tue. Et il me faut de l'XP avec Yunaka, donc... Haha! Personne n'avait vu venir celle-là. 29 plus 19, ça fait combien? Pourquoi déjà plus 19, je comprends pas. Quarante-huit. Ben, en tout cas, ça c'est beau. Ça s'est beaucoup mieux passé que la dernière fois. Moi, avec des unités du bon niveau. J'ai détruit le mur. Ça m'a même pas donné d'XP, je suis abattu. Allez, c'est parti! Oh, en plus l'assistance double, alors là. Allez, esquivez! Ah, c'était un beau combat. Le petit vol vitesse. Je suis mort. C'est Yunaka, la héros. Iconique.
Bon travail, Sakura. Vous avez relevé l'épreuve avec brio. Merci, Ike. Vous devez savoir que plus nous progresserons, plus les combats seront intenses. Souvenez-vous toujours que vous êtes notre chef et que vous ne devez jamais céder à la pression. Dans cette guerre, on ne peut pas battre en retraite. Il y a un espace après le point. C'est vrai. Si nous fuyons, les ténèbres couvriront le monde. Mais je crains que combattre ainsi ne soit trop éprouvant pour tout le monde. Ou pour moi. Des gens ont besoin de votre aide. Ne vous en faites pas. Vous êtes plus que compétente. Et si vous sentez que votre esprit est sur le point de céder, ce sont les liens que vous aurez forgés qui feront la différence. Je garderai vos paroles dans mon cœur. Pas d'inquiétude, si jamais vous les oubliez, je serai là pour vous les rappeler. Vous serez toujours à mes côtés? Toujours. Oups. Merci, Ike. Je suis heureuse de vous savoir avec moi. Niveau de lien maximum déverrouillé! Let's go! Vous avez vu? Je suis devenue encore plus forte! Astrid, je serai bientôt la plus grande marchande de tous les temps. Je pourrais installer un stand en attendant. Enfin, je pense pas que j'aurai beaucoup de clients. Oui, alors lui, on peut lui parler, tiens. C'est mon père qui m'enseignait l'art de l'épée. Dire que j'ai perdu. J'ai encore beaucoup à apprendre. Même si les combats ne sont pas de tout repos, je suis content de visiter tous ces endroits à vos côtés. Votre divinité, vous êtes encore amélioré, n'est-ce pas? Oh, pardonnez cette familiarité. Vous venez voir comment je vais. Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire, comme admirer le paysage. Babibou. Top, Mamout! J'en ai aligné un paquet aujourd'hui. Je devrais peut-être m'acheter des fleurs. C'est drôle de penser que cet endroit paisible a pu être le théâtre d'une bataille, pas vrai? Par contre, c'est rigolo, et ça c'était détruit et ça s'est reconstruit. Je n'ai nulle envie de m'habituer à la vue du sang, mais une fine connaissance de la guerre est nécessaire pour obtenir la paix. Les emblèmes sont portés un grand intérêt à ces lieux. Ils doivent ressentir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une marmotte! Ah! J'ai adopté une marmotte. Bien des âmes ont péri avant notre arrivée. Je vais prier pour tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer. La bataille que nous avons livrée aujourd'hui m'a inspiré. J'ai une idée pour un nouveau roman. Et ce sera une histoire vraie pour une fois. Aucun stand de nourriture par ici? Je déteste l'idée de rater des spécialités locales. Ah, je vous envie quand je vois les progrès que vous réalisez. J'espère suivre votre exemple. Le paysage est magnifique. J'aimerais pouvoir rester profiter éternellement de cette vue. Oh, nous devrions organiser un banquet ici.
On peut littéralement descendre, on peut littéralement visiter le champ de bataille là. C'est pas comme sur les autres maps où c'est plus petit. Mais talents combat se sont améliorés depuis que je me combat à vos côtés. Ah, avec un peu de chance, il en va de même pour ma cuisine. Les emblèmes ont l'air dans tous leurs états. Vous pensez que c'est parce que cet endroit leur plaît? C'est plutôt sympa de voir ça. Je ne suis pas trop mal débrouillé, je crois. J'ignore s'il faut remercier mes muscles, vos conseils avisés. J'ai un peu honte de l'avouer, mais je n'arrête pas de regarder dans tous les sens comme un enfant qui est dans son village pour la première fois. Jamais imaginé que je vais rencontrer. Que je vais rencontrer. Les... Jamais imaginé les gens que je vais rencontrer dans les lieux de visite. Je me demande ce que je vais faire. De qui je vais faire la connaissance ici? Chouette endroit, non? Je sais qu'on n'est pas là pour s'amuser, hein, mais rien ne nous empêche de profiter de la vue, ouais. Alors on a raté un animal, c'était un faucon. Pas du tout un faucon, c'était un aigle royal. Soudain, face aux flammes, serait un hippopotame. Oh mon. Au potin, hurle-t-il levant les mains. Je devrais être fier d'avoir traversé autant d'ennemis, terrassé autant d'ennemis. Alors pourquoi est-ce que je n'éprouve que tristesse? Quand je serai reine, ce que j'ai vécu ici deviendra une histoire digne d'être racontée. Je vais chercher des herbes à cueillir. Une infusion faite avec ce qui pousse ici pourrait s'avérer fort. On n'a pas parlé à notre Husbando là. Si? Je crois avoir enfin trouvé ma place dans cette armée. Je suis là pour protéger les nôtres, non pour être l'objet de leur protection. Je ne me souviens pas être venu dans ces lieux. D'où vient donc ce sentiment de nostalgie qui me saisit soudain? Ah mais on n'était pas nul ici non plus. Pensez-vous qu'il y ait des vignes dans les environs? Je nourris l'espoir dans des nichées de rats au cours de nos pérégrinations. Ouah! Est-ce que vous l'avez ressenti aussi? Je sens qu'il y a des alpagas sauvages dans les parages. J'en suis sûr. Disons, avec bon sang. C'est un joli paysage, non? Je dois me rappeler quand, pour en faire un dessin plus tard et mettre sur mon Insta, ouais. Que des épices, j'ai récupéré plein d'épices. J'ai vu des traces qui ressemblent à des taches de sang. Vous croyez qu'on s'est battu ici, il y a longtemps? On s'est battu il y a littéralement 5 minutes, genre. Je crois qu'on retourne à Somniel. Bah, en vrai, on peut retourner à Somniel, s'occuper un peu de, voilà, faire les trucs après bataille. Comme ça, la prochaine fois, on enquille direct sur de l'histoire. Ça, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Des dialogues de liens sont disponibles. Je crois que je me suis habitué à la terre sainte. Mais peut-être étais-je simplement faite pour cet endroit depuis le début? Quelqu'un avec qui on n'a pas de soutien, ce serait mieux. Allez, Rosado. Si on peut avoir que des trucs où on n'a pas de soutien, ce serait. Pépute. Eh ben, ce sera pas le cas. Dommage. Excelle à la gelée au B. Magie, vitesse, résistance.
On va faire ça, hein. Bon, ça augmentera la magie, mais c'est pas grave. C'est parti, mon kiki, pour la... Ces adorables ingrédients sont les pop divinités. Ouah, t'as carrément l'œil. Les ingrédients que vous avez rassemblés ont été parfaitement mis en valeur. Nous sommes gâtés. Rang S. Force plus 1, vitesse plus 2, magie plus 2, résistance plus 2. Bien entendu, j'excelle également dans la confection de repas à emporter. Et... Mais c'est une vraie cuisinière. On va peut-être pas aller... S'occuper des anneaux, on a déjà gratouillé les anneaux la dernière fois, je me dis. Par contre, on fait pas les dialogues de soutien aujourd'hui, on en a déjà fait trop tout à l'heure. Qui on entraîne? Jean. Jean, tu dois passer niveau 20. Allez. Oh ben. Oh, le combat de zinzin. Il est niveau 20. Ouais. Maintenant, qui c'est qu'on augmente? C'est quoi l'éclair maintenant? Ah, okay. En vrai, Anna. Yunaka, il faut la monter au niveau 25 aussi. Oh là là. J'ai même pas vu combien d'XP j'avais récupéré, je suis abattu. Ah! Que 4! Top Moumout. Mais je peux regarder par contre qui peut hériter de quelle technique. Re-regarder. Encore. Esquive, c'était marre. C'est Ike. Kourou. Critique plus 1 pour chaque PV perdu. Bravoure plus. C'est con, j'ai appris bravoure il y a pas longtemps. Anna, il faut lui apprendre dépense plus. Il faut lui apprendre dépense plus 5. Kourou, c'est fort. Hein. Mobilité, en vrai, pour les...
Mobilité pour Ivy. Même en fait, toutes les unités. Toutes les unités un peu qui peuvent attaquer à distance et tout. Très fort, hein. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à ce très cher Alchrist? J'aimerais bien quelqu'un avec assistance double, mais je sais pas qui. Je me dis, il faut que ce soit quelqu'un qui a pas mal de mouvements, tu vois. Unaka, c'est quoi? Si l'unité se trouve sur un terrain qui augmente l'esquive. Ouais. Peut ajouter 50% de force aux dégâts magiques ou 50%. Ok. Non, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, comme ça, voilà. On est bien aidé. Lingot d'acier, du poulet, lingot de fer, farine de blé, légumes rares, œufs, lait. Ah, les mérins d'Imera, ouais. Vendu. Un bon choix. Somiel n'a pas changé en apparence, mais c'est votre pouvoir qui baigne cet endroit à présent. Fragment de lien. Ouais, il est rouge le puits. Manuel Novice. Dague argent. Tome tatin. Dague d'ango. Non, mais je vais aller vendre des trucs parce que j'ai vraiment besoin de sous. Le tome tatin, ça m'intrigue. Non. Évitement, sans droit. Un homme exhalant un doux parfum. L'unité peut consommer cet objet pour récupérer des BD, évidemment. 29 d'attaque magique quand même. Hein. Vitesse 17. Esquive 48. On est sur un feu quoi. Ok. C'est pas si pire. On va les vendre là. Katamaré machin.
Ah, bah non, on va pas faire ça là alors. Un Wodao, ouah, je peux faire Wodao plus 4. Wodao plus 1 déjà. Ça augmente juste la critique. Juste. C'est déjà pas mal. T'as le lion plus 1. Bon, plus 2. Petit tome de feu là. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que je montrais pas vent plutôt? Ou tempête, c'est combien? 7, 85, 6. Peut-être plus tempête. Pour gagner que 1 de dégâts, bon. Vent plus 1, ce sera plus utile. La dague d'acier, ça carré pas mal. Oh là, c'est pas la peine d'y toucher, je pense. Arc pierre plus 2. L'arc long. Ça, pareil, c'est. Ça augmente quoi? Ok. C'est une bonne idée. Après la hache. C'est archi triste, on peut pas augmenter la présence d'hache. Bon, H, je suis pas convaincu. Et Libé, alors. Peut-être je vais monter niveau 2. Ça coûte quoi de graver des trucs? Ah, mais ça coûte que des. Oh! L'académie, ça augmente la précision, les critiques, l'évitement et l'esquive. Ok. Ah, mais ça. Par contre, ça augmente le poids de. Le poids de 2, quoi. Destiné, ça diminue les dégâts. Ça augmente la critique, l'évitement, l'esquive. Éveil, ça diminue les dégâts, mais ça augmente précision, esquive. Ça diminue le poids de beaucoup. Rayonnement, ça augmente les dégâts, mais ça augmente de beaucoup le poids. Sacré, ça diminue l'esquive et l'évitement, mais ça augmente la précision critique. Précision critique. Ouais. Précision, ça augmente juste un peu le poids. Et guerre sainte, c'est. Mais c'est un banger en fait. Il faudrait voir. Sur le Wodao, je pense qu'il peut y avoir des trucs de zinzin. Genre si tu diminues beaucoup le poids. On peut monter à critique 45 et vu que le poids diminue, tu as beaucoup plus de chances de faire des doubles frappes, techniquement.
Un truc qui diminue le poids augmente pas l'escrime, le critique, c'est ça. Hein. Par contre, ça divise par deux les damage, quoi. Enfin, ça divise par deux. Diminue de 3. Mais tu gagnes en poids. Après, sinon celui-là, mais là tu perds en esquive et en évitement. Poids 22, putain, mais t'imagines? En vrai, là tu gagnes plus de critiques. 55. Tu gagnes pas en poids par contre. Et tu augmentes en esquive, en évitement, et tu perds pas trop de. Vas-y, on part là-dessus. Il est où le talion là? On peut peut-être faire un truc, non? En vrai, après, à part Guerre Sainte que j'ai envie de mettre sur absolument toutes les armes, je veux dire. Parce que là, le talion. Si on peut gagner en précision, éventuellement, mais. Fait jamais vraiment de double frappe non plus. Peut-être Académie. Non, par contre, Académie, ça peut être très intéressant. Enfin, les trucs qui augmentent les poids de Zinzin, ça peut être très intéressant sur les arcs. L'arc du Manifogado, parce que lui, il a une vitesse de baiser, quoi. Après, ça augmente que 3 damage pour tout ce que ça augmente en poids. Bon. Est-ce vraiment. Est-ce qu'on préférerait pas Académie, tu vois? Ça fait quand même plus 2. On perd en esquive, mais on gagne en critique, en précision. On perd l'évitement. Celui-là, sinon, c'est pas mal. On augmente les dégâts de 1. On a juste le poids qui augmente de 1. On gagne beaucoup de précision et d'esquive. L'analogie, ça peut être intéressant, je pense. Merde! Ah, je me suis chié. J'avais mis généalogie sur le feu, non? Je l'avais mis quelque part, mais je sais plus où. Bon, bah dommage. On revient à généalogie, je suis mort. J'ai mis sur quoi Académie? Ou sinon, je le mets là-dessus, hein, je préviens. Ah, j'avais mis nulle part. Allez, vendu. Et alors, une hache. Il me faudrait une hache gravée. Pour la hache de héros, je pense qu'il faut un truc qui augmente la précision. Précision, esquive. En vrai,
Généalogie? Ah oui, mais je viens de le mettre quelque part. Zut. Précision, esquive. Je pense que ça c'est pas mal sur la hache de verrou. Éveil. Et après il me semble qu'on a. Ah j'avais mis sur la dague de. Non? Lame. En vrai, je me dis sacré parce que la dague, elle est déjà sur un perso. Genre, Yunaka, elle a déjà pas mal d'esquives de base. Donc. Pourquoi pas? Elle est vendue. Bon, à la base, je voulais vendre des trucs pour me faire des sous, hein. Je vais faire un tour rapide aussi. Vendre, convoi. J'ai dit vendre ou acheter? Ah, mais c'est utilisation infinie. J'ai pas fait attention. Épée fine, épée de fer. Lance de fer. Ça, non, non. Le tome tatin, c'est que 250, mais. Dague d'Angou, 6. 6, mais 3 de poids. Même les manuels, ça se vend pas, genre. Putain, j'ai tout vendu là, j'ai récupéré que 7000 clochettes, j'allais dire. J'aurais bien acheté un magistère. Ah, mais un stock infini, PTDR. J'avais pas tilté, c'est pas grave. J'ai 7 remèdes en stock. Ah oui, quand même. Ah non, elle a 7 remèdes en stock. On a acheté un, c'est bon. C'est pas ça que je veux. Et... Jean, il est où Jean? Changer de classe. Moine supérieur. Ou prêtre d'élite. Non, moine supérieur. Wow. Stylé, notre petit Jean. Yunaka, ça dit quoi? Non, mais c'est pas encore elle. Hein.
à niveau 40. On n'y est pas. Hein. Les ennemis ne peuvent pas bloquer les mouvements de l'unité. Les cavaliers Lupin, c'est où? C'est là. Ça baisse. À... Attends, en gros, évaluation, c'est où? Ça monte de fou, zinzin, son évaluation. Il faut absolument que. En plus, il faut juste un Scolaris. Cavalier Lupin plutôt épée, lance ou. De toute façon, c'est pour la jouer qu'avec la dague. Pas plus à l'épée, je pense. Bon, on va aller lui apprendre l'épée. Tout de suite, genre là maintenant. Enfin, ou l'épée, ou la hache, ou suivant ce qui est dispo. Un légume rare dans le champ. Putain, mais il y a encore un objet paumé là-bas, là, dans le... Une jaime. J'aime tes yeux. J'aime ton odeur. Tes gestes en douceur. Lentement dirigés. Sensualité. J'aime que ce moment vive pour l'éternité. Ta sensualité. Une ombre cornue. Ici. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas, j'ai un écran noir. Ok, c'est bon, une ombre cornue. On aura pêché trois ombres cornues, bah super, hein. Nul. Décevant. Elle est en train de pêcher. Banetto. Oh, il y a un objet. Ah non, c'est dessous. Ah, mais il y a un objet au-dessus aussi. Oh là 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 là. Il y a toujours du crottin ici. Qui c'est qui vient chier au bord de la falaise, quoi? C'est une dinguerie? C'est quoi, c'est la plus belle vue pour faire caca, genre? C'est fou. Soyez civilisés, non? Faites ça dans les toilettes.
Caresser. Farine de blé. J'aime Protectus. Ok, on a fait le tour de tous les objets. Maintenant, on a dit il faut aller apprendre l'épée ou la hache ou n'importe quoi. Ah, Yunaka. Épée, hache, lance. Mais même pas en plus, c'est juste, il faut juste faire ça. Aptitude H. Personne a l'aptitude épée. On va lui apprendre la hache. Ah si. Ah non. Bon, tu vas me dire. Ah voilà. Aptitude d'épée, c'est niveau 6 avec Corinne. Wakizashi. Mais du coup... J'avais dit Yunaka aura Dragunair. Je sais plus. Bon, de toute façon, j'ai envie qu'elle manie l'épée, donc la question ne se pose pas. Eh ben. Vous savez, Corinne, je me sens toujours complet dans le petit bisou. Tout est prêt quand je suis avec vous. Oh, on ne le devinerait certes pas à votre allure imperturbable, mais merci, je suis flattée. Et maintenant, il faut la monter. Niveau 6. Ouf. 30% de critique avec la dague. Oh, j'ai créé un monstre. Ah mais attends, mais je peux. Ah mais je peux lui apprendre direct. Bah oui, je suis bête. J'ai plein de points. C'est à ça que ça sert. Pas plein de points, j'ai plein de tomes là. Bon, je le monte direct niveau 10, hein, ça ira plus vite. Hein. なんと、私めが勝ちをいただ
C'est la troisième fois qu'elle s'affronte. Votre inébranlable bonne humeur n'en laisserait présager, mais vous devenez froide et calculatrice sitôt qu'une bataille s'enclenche. Hein? Qui? Moi? Mais non, votre imagination est sûrement ce qui fait de vous une guerrière aussi futée. Futée. Donc maintenant, il faut que je donne à Junaka des tomes. Elle a 1400, il faut qu'elle passe niveau. Enfin, pas niveau, mais. C'est bien, ça peut utiliser les manuels de novice, là. Ça sert à rien. Ah, je vois plus, j'ai un écran noir. Voilà, super, ça, je me suis trompé de bouton. Hérité de technique. Non. Hop. Pas mal. Là, on est bien. Yunaka qui va rouler sur les ennemis. Lorsque des alliés atteignent le niveau 10, ils peuvent passer une classe avancée à la magistère. Ah bon, c'est niveau 10? Ils étaient niveau 20. Sais plus, moi. On va augmenter les liens et on fera les soutiens une autre fois. Parce que ça, je vais oublier si je le fais pas. Tout à l'heure, j'avais oublié, je crois déjà. Je me demande parfois si nous sommes vraiment capables de gagner cette guerre. Je sais que l'avenir peut sembler sombre, mais tant que vous gardez espoir, vous pourrez repousser les ténèbres. Partia. Oh. Céline. Il paraît que vous avez le thé, Céline. Voilà qui nous fait un solide point commun. Vraiment? Quelle joie de partager un goût avec vous. Parlez-moi de vos infusions préférées. Mais du coup, vu qu'elles viennent pas du même monde, techniquement, elles ont pas les mêmes plantes, les mêmes machins et tout, donc elles peuvent pas vraiment parler de thé, si? Bah si, après elles peuvent être en mode, oui, moi j'aime les thés plutôt corsés, les thés plutôt âpres, et qui râpent la langue. Des trucs comme ça, j'imagine. Je sais pas trop. Bon, mes petits oiseaux, quoi qu'il en soit, voilà qui marque la fin de notre session Fire Emblem. Je coupe comme ça, hein, comme un chacal.
Alors, hop, 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 tac, tac, tout s'enquille parfaitement. Je vais dire. Oh ah. Bon, mais écoutez, du coup, mes petits oiseaux, c'est la fin du stream. Finalement, on n'aura pas avancé sur l'histoire aujourd'hui, mais on aura fait d'autres choses. C'était pas plus mal aussi. On a pu un peu s'occuper de notre équipe, voir un peu d'autres aspects du jeu que juste enchaîner pour terminer le jeu parce qu'on en a marre. Donc c'était quand même sympa. Et puis la prochaine fois, on pourra directement aller s'occuper du chapitre 18, bien sûr, avec une équipe du tonnerre. Ouais, mes cheveux qui font sortir le fond vert. Va vraiment falloir acheter des lumières rapido parce que... Ich. Enfin bon, quoi qu'il en soit, eh ben, écoutez, c'était le dernier stream de la semaine. On se retrouve mardi prochain pour Cyberpunk. Puis ensuite, jeudi pour Elden Ring. Et après, voilà, pour la semaine prochaine, ce sera tout. Stream uniquement mardi et jeudi. J'ai rien d'autre à vous raconter. Donc du coup, bah écoutez, il arrive le moment où je vais remercier toutes les personnes qui sont passées sur le stream ce soir. Merci à vous toutes et tous. Ça fait extrêmement plaisir. Personne n'est venu, mais tranquille. Du coup, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à mardi. Si on se voit mardi, sinon à une prochaine fois, ou peut-être même à jamais, c'est aussi la vie. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis ciao ciao!